Monsieur Jean-René Tchégaray, ayant dépassé la majorité absolue, est élu président de la communauté. Denek aipatzen dute eta normal den bezala, egun historikoa dela eta guai abia puntu bat bezik da, erena baita animaleko lan bat bada egiteko eta bai personalki eta zer nahi zenik lagun guziekin, abertzalekin bereziki ere, behentsatuko gira guai artian egiten dugun bezala, gure herri elkargotipietan egiten ginen bezala, lanari esker gure zigelitasuna lortzea, ara, eta hor ere, pentsatzen dugu badugula zer egan, zer ekarri ere. Lehenik egunen osatzeko edo plantatzeko behin-behin elkargo hau da lehen urratsa. Eta gero zer jokatuko den heben iparaldeko ongerua eta enelekia ikusiko. Bueno, ekonomia hanitz gustatzen zaiteni eta laborantzako arrazoak ebai eta goietan parte hartu nahi dut. Lehen aldikotz, eskolen guzia behaz batua da, behaz hori zinez dokumento historikoa eta bozkarriat da, eta lanan hartzeko emaiaikin tegira, zenta ara, hortetxen lekia da hemen, eta behaz, uste dut, ara, behaz, lana hasten dela, lan asko egina izan da, miren lana beste lan bat hasten da. Uste dut, biztan dena, barnek aldeko problematikak berko diela segitu. Biztan dena, ordean laborantza maila, biztan dena, ekonomia maila, artisantuneak, turismoa, badira hainiz gai desberdin, garapen iraunkorra, garraioak ere, zinez badira sail hainitz. Eta beharko da ikusi ondoko egunetan nola antolatzen den, ze leku ukaren dugun ere. Vous avez la problématique du logement qui existe aussi à l'intérieur du Pays Basque avec les centres-bourgs à aménager, fixer la jeunesse. Voilà. Non, moi je suis totalement impliqué à fond dans cette nouvelle institution. Le débat politique a eu lieu, la communauté d'agglomération Pays Basque est une réalité ce soir. Il faut maintenant se mettre au travail sur les dossiers. Il y a quelques gestes forts à envoyer le plus rapidement possible en matière de coopération avec nos voisins du Sud, en matière de politique linguistique en faveur de l'Euskara. Ce sont des symboles importants qui devraient être mis en œuvre tout de suite parce que pour le reste, il y a aussi toutes les politiques publiques que la communauté d'agglomération va prendre en place, la mettre en œuvre sur le traitement des déchets, sur l'environnement, sur la mobilité, sur les transports. Mais cela, c'est la fusion des politiques menées par les 10 intercommunalités. Et puis, il faut qu'il y ait une plus-value. Et à mon avis, c'est le domaine de la langue, de la culture et des relations transfrontalières. Et la priorité, c'est qu'on puisse véritablement mettre en place de la meilleure façon possible l'ensemble des politiques publiques qui vont être celles de la future communauté du Pays Basque. Il y a du travail, c'est enthousiasmant, ce ne sera pas facile, mais moi j'ai confiance dans l'intelligence collective et je pense que les obstacles seront levés les uns après les autres. Je suis optimiste. Le premier sujet qui va se poser à nous, qui est vraiment un sujet d'importance, c'est un sujet social.
puisqu'on s'est rendu compte, ne serait-ce que dans les compétences de la collecte des traitements des déchets, surtout dans la collecte des déchets, que nous avions vraiment des métiers un petit peu disparates, avec des régimes indemnitaires différents, des organisations de travail différentes. Donc certains qui font 35 heures, d'autres qui font 36 heures, donc qui font 38 heures, qui travaillent sur 6 jours, qui travaillent avec les récupérations, oui, non, payé double. Voilà, donc on ne peut pas admettre que dans un même bureau, dans un même camion, il y a des gens qui travaillent avec des horaires différents, des conditions différentes. Et ça, mine de rien, ça va être vraiment un